Bonjour, ce tour se fait avec quelques cartes, si je puis dire, un peu spéciales. Pourquoi? Déjà, j'en ai plein. C'est pas ça qui fait que c'est spécial, c'est qu'elles sont identiques. Mais je parle pas des dos, je parle des faces. Je n'ai que des 6 de carreau. C'est un peu spécial ça, je vous montre. Parce qu'au niveau des dos, c'est différent. Oui, au niveau des dos, en fait, j'ai deux couleurs différentes. J'ai rouge et j'ai bleu. Les 6 de carreau sont alternativement dos rouge, dos bleu. On peut se demander pourquoi j'ai des dos différents comme ça. Parce que ces cartes sont magiques. Regardez bien, si je prends par exemple un dos rouge, que je mets en contact avec un dos bleu, vous voyez, dos à dos, je fais cette passe magique là, vous pouvez voir que maintenant les couleurs se mélangent magiquement et on a, ma foi, une fort belle composition. Car on va le refaire avec celle-là. Une passe magique et regardez, hop, ça marche impeccable. On peut le faire avec l'ensemble du paquet, en fait, juste une passe magique et maintenant tout se mélange et ça fait des couleurs superbes, vous voyez, quand même. Et on a une espèce de paradoxe, puisque d'habitude, les cartes au niveau des dos sont identiques. Ce n'est pas le cas. Elles sont différentes. Et au niveau des faces, normalement, on devrait avoir que des cartes différentes. Eh bien non, là, je n'ai que des cartes identiques, si je puis dire. Mais comme je suis magicien, il suffit que je fasse une passe magique, et là, vous pouvez voir quoi. Maintenant, regardez. Mes cartes se transforment et deviennent toutes complètement différentes. Merci bien. Mais si vous insistez, et je sens que vous insistez, on fait juste une passe magique sur l'ensemble. Et maintenant, regardez, les dos sont tous vraiment différents. Et vous pouvez tout examiner sans aucun problème. Merci bien.